Bonjour à toutes et bien bonjour à tous. Heureuse que vous ayez eu la même idée que moi, c'est-à-dire de passer une bonne soirée, c'est-à-dire donc une soirée à l'échelle à coulisses. Pendant ce temps-là, il y en a qui sont scotchés au rubis. Et quand je dis scotché, je devrais plutôt dire biéré, parce que c'est pas tellement le whisky, mais c'est... Oh ! Vous savez qu'on n'a pas le droit de boire de la bière autour du Stade de France. Donc là, je dirais the last chance saloon, le dernier saloon avant le stade, c'est la gare du Nord. Et la gare du Nord, mais ça vaut le coup non pas de prendre la photo, mais vraiment de faire un panoramique. Vous voyez toutes les terrasses qui sont pleines de gens avec un litre de bière. Je ne parle pas d'un verre. 50 centilitres pour les gamins, mais ils sont tous avec la chope d'un litre. C'est quelque chose de monstrueux. On vacille. On se dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. Et alors, une chose qui est amusante, c'est quand ce sont des supporters de rugby, ils ne se foutent pas sur la gueule. On n'en dirait pas autant des footballeurs. Ah, vous savez aussi, à propos du football, vous savez que on va organiser en 2016, vous avez le temps de vous y faire, on va organiser l'Euro 2016, en 2016. Eh oui, n'est-ce pas merveilleux? Tous les magouilleurs, tous les trafiquants, toutes les pièces montées de l'immobilier qui n'ont pas pu se faire parce qu'on n'a pas eu les Jeux Olympiques, vont pouvoir enfin se donner libre cours avec l'Euro, et ce n'est pas seulement sur Paris, ce qui était le cas des Jeux Olympiques, mais ça, cette fois-ci, sur la France entière. Oh, quand j'ai entendu la déclaration comme quoi on avait gagné, dans mes oreilles, J'ai eu le son, celui de cette pluie de pièces qui arrive lorsque un bon dimanche chaud a travaillé pendant 6 jours sans jamais en lâcher une, et que là, brutalement, il se démonte. Ah, 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 c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Mon Dieu, est-ce que ça va être beau après, en 2017, lorsque les scandales vont éclater? Oui, parce qu'il y a le retour, n'est-ce pas, le retour de Manu. Puis il y a également une autre chose là qui se passe pendant que nous parlons, pendant que nous sommes heureux. Il y a le concours de l'Eurovision. Moi, je suis allée au restaurant que tient Marie-Myriam. Marie-Myriam, comme un enfant. Bon, je ne vous l'infligerai pas. Elle a fait plus d'une dizaine de disques après, dans un anonymat total. Par contre, la chanson Comme un enfant marche très bien toujours. Merci. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, vous voyez. Un peu le côté l'écharpe de Maurice Fanon. Ce sont des succès qui sont excellents. Mais toute la carrière derrière a disparu. Vous vous souvenez d'Eduardo qui venait souvent à l'échelle à coulisses? Voilà. Eduardo, c'est « Il t'aime les lundis, il t'aime le mardi, il t'aime le mercredi. » Bon, et les autres jours, on suit. Bon. C'était pour sa bien-aimée. D'ailleurs qu'il a épousé, ça s'est bien passé. Et alors, tous les médias l'ont fait venir pour se foutre de sa gueule. Mais du coup, elle l'a vu et du coup, elle l'a épousé. Et puis après, il a continué à écrire d'autres chansons, rigolotes ou tendres, suivant son humeur. Et il faut bien dire que heureusement que l'échelle à coulisses a été là pour lui tendre une scène compatissante, parce que ce type qui avait un réel talent, qui avait vraiment une création. Il avait une création, il avait des bonnes idées, non, a été simplement ignoré par le système. C'est assez étrange, alors que Yetem le lundi est toujours en vente. Sic transit Gloria Mundi. Après ce détour par les pages roses du Larousse, nous allons commencer notre courte échelle. Notre courte échelle, c'est le nom que nous donnons à notre scène ouverte. Parce que, en fait, les professionnels font la courte échelle aux débutants. Ici, vous trouvez des gens qui ont 20 ans de métier, qui ont 20 mois de métier, qui ont 20 semaines de métier, parfois même 20 minutes. Mais
Tous les talents sont là pour présenter leur univers, pour présenter leur partage. Et on est aussi heureux d'écouter les autres que de passer soi-même. Ça, c'est aussi un des miracles de l'échelle Bliss. Et d'ailleurs, ce miracle, nous allons commencer tout de suite par la dame qui a noté vos paroliers et vos compositeurs, qui va vous dénoncer à la SACEM. Et ensuite, la SACEM, elle enverra des chèques. Bah oui, parce que si ça sème, ça récolte. C'est là qu'on rit. Merci. J'aurais dû mettre un clignotant en dehors du champ de la caméra, comme on fait à la télévision. Mais la télévision, d'ailleurs, ne met pas de clignotant. En fait, c'est une fille qui est à part. C'est toujours une fille. Une fille qui est à part et qui fait des mouvements de bras que moi, je ne peux pas faire parce que ça me fait mal au cœur. Mais elle applaudit les mains au-dessus de sa tête pour nous dire qu'il faut qu'on en fasse autant. C'est pour ça que le public, il applaudit si spontanément à certains moments des émissions. Et évidemment, à la radio, c'est encore pire. Mais pour elle, heureusement, nous n'avons pas de problème. Nous applaudirons spontanément, simplement parce que nous aimons les chansons qu'elle nous présente. C'est Annick Gobert. Il y a un bois qui traîne la queue. J'ai pris un double. Je suis protégée au cas où serpent de me piquer. Qu'est-ce que tu dis ? De toute façon, je suis protégée au cas où serpent de peut me piquer. Ah oh ben non, il mourrait tout de suite. Non, justement. Ils s'approchent pas parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas me faire de mal à moi. C'est les autres qui les font crever quand ils les mordent. C'est pas moi. Je suis très saine, moi. Bon, donc je vais vous chanter une chanson que tout le monde connaît. J'espère que tout le monde l'apprécie. Les feuilles mortes. Je voudrais autant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Le souvenir et les regrets aussi. Mais le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais. Sourit toujours et remercie la vie.
tu étais si jolie. Comment veux-tu que je t'oublie? En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Tu étais ma plus douce amie et je n'ai que faire des regrets. Et la chanson que tu chantais, toujours, toujours, je l'entendrai. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, oh moi qui t'aimais. Une partie du fan club de Claude Mercutio donc qui nous a rejoint donc en leur expliquant que avant Claude il y a une scène ouverte que chez nous nous appelons courte échelle puisque les professionnels font la courte échelle aux débutants, donc c'est basé sur le partage des univers, sur l'entraide. À propos d'entraide, n'est-ce pas, nous avons un ami fidèle qui est là tous les samedis. Je dois vous avouer d'ailleurs qu'il est là aussi en semaine, n'est-ce pas, mais nous n'insisterons pas lourdement sur les prestations qu'il fait à d'autres spectacles. Ce piano qui est à nous, qui est notre piano à nous personnellement, quant à nous-mêmes, c'est un Führstein. C'est un piano allemand fabriqué en Italie. Et
et qu'il avait un toucher romantique. Alors, Dieu merci, nous avons des romantiques dans la salle, donc il est toujours heureux des gens qui viennent le faire vibrer. Et ce soir, celle qui va le faire vibrer, c'est Christelle. Allô? C'est pas la peine d'épier la chaîne qui nous rattachera du monde plein de haine. Elle nous entraîne et nous malmène, cette tentation qui paie le nom quittera la reine. Si Adam et Ève nous expliquaient que l'amour parfois mène au péché, je dénie la sens d'humanité. Cette vérité, nous sommes les victimes de la tentation. À croire ou croire encore à la révolution, nous sommes les victimes de la tentation. Pourvu que l'homme fasse ce qui lui semble bon, une seule humaine, jardin d'Éden, le tableau lasse comme un du mort et plein de peine. Voilà la scène, celle où une reine se dit comment l'humanité survit quand même. Si Adam et Ève nous expliquaient que l'amour parfois mène au péché, je dénigre l'absence d'humanité. Quand on voit résonne cette vérité, nous sommes les victimes de la tentation. À croire ou pas encore à la révolution, nous sommes les victimes de la tentation. Pourvu que l'homme fasse tout ce qui lui semble bon. Nanana, 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 nanana. Na 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 na. Si Adam et Ève nous expliquaient que l'amour profane mène au péché, je dénigre la sens d'humanité. Quand on m'a raisonné cette vérité, nous sommes les victimes de la tentation. À croire ou encore à la révolution, nous sommes les victimes de la tentation. Pourvu que l'on fasse tout ce qui lui semble bon, sur celui de la scène, je chante mes peines, rêve d'amour, d'argent, nos principaux dilemmes. Qu'en vain l'Éden, ce Dieu qui saigne, tant de bonheur au sein du monde, plus le même. Si Adam et Ève nous expliquaient que l'amour parfois mène au péché, je dénie la sens d'humanité. Quand on m'a raisonné cette vérité, nous sommes les victimes de la tentation. À croire ou pas encore à la révolution, nous sommes les victimes de la tentation. Pourvu que l'homme fasse tout ce qui lui semble bon, nous sommes les victimes de la tentation. À croire ou pas encore à la révolution, nous sommes les victimes de la tentation. Pourvu que l'homme fasse tout ce qui lui semble bon. Nanana. Ouais. La tentation, ce sera par exemple de ne pas acheter le disque du fleuron de la chanson française qui nous représente à l'Eurovision. Vous l'avez déjà entendu à la radio? Non. Et Morandini nous le passe souvent parce que Morandini est un peu sadique sur les bords. Et à mon avis, il devrait quand même pas faire le con parce que il y en a qui zapperaient. Et parce que quand même, hier vendredi, il nous en a fait... trois quarts d'heure sur l'Eurovision. Quand même fantastique. Hein. Trois quarts d'heure sur du néant. Ah, c'est un petit côté, vous savez, un petit côté Pierre Soulages. Pierre Soulages, c'est un tableau noir sur fond noir avec du noir et puis aussi là du noir. Bon. Il y a la lumière noire. Il n'y a rien. Mais alors, la façon dont il vous le raconte, il est palpitant. Il est magnifique. J'adore lire ou écouter Pierre Soulages. Pour moi, c'est un grand écrivain.
Maintenant, il s'obstine à dire qu'il est peintre, mais enfin, j'en suis contente pour son content, parce que vous savez que son noir sur fond noir, alors là, son combat de nègre dans un tunnel, je vous dis pas, ça chiffre. Maintenant, je crains qu'il y ait une rumeur qui se révèle exacte. Il paraît qu'il y a des faux Soulages. Certes, des gens, au lieu de faire noir sur fond noir comme Soulages, font noir sous ce fond noir. Vous me direz, la différence est infinitésimale, mais le véritable amateur ne s'y trompe pas. Il y en a un qui vaut $1 million et un autre qui vaut $50. Voilà. Oui, parce que quand même le châssis est grand et il fait quand même des tables d'étoiles de 2 mètres. Sans doute avec un long pinceau ou alors par correspondance. Enfin, ouais. Celui qui va venir chez nous le 12 juin, à qui nous remettrons nos clés le 12 juin, eh bien, nous l'avons ce soir en avant-première. Il va passer le chien à Sarah, voilà, qui botte en touche. C'est Bruno Bellon. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc ce soir je vais vous présenter un de mes derniers poèmes, puisque le 12 juin ça sera plutôt des sketchs comiques. Donc là je vais vous faire un petit peu de poésie. C'est un poème qui s'appelle « Simplement ». Juste une légère pluie d'encre, comme un fin brouillard sur du mimosa. Juste un léger crachin de plumes fondant sur votre aura. Simplement un parfum de vous, ivre de bonheur. Simplement un parfum de nous, ivre de nos sueurs. Juste un frôlement qui frétille, doux comme l'érable, le miel, un sirop. Juste l'épine des papilles, dessinant en pénombre votre peau. Simplement un regard de vous, ivre de charme. Simplement un regard de nous, rire de larmes. Juste de l'amour en miroir, comme le palais des glaces sans fil. Juste garder en mémoire mon pollen nacré sur votre pistil. Simplement la musique de vous, ivre de nos instants. Simplement partition de nous, vivre intensément. Juste un léger craquement de feuilles d'automne sur les pas d'hier. Juste un léger bruissement de souvenirs, déjà dans l'hiver. Simplement la moirure de vous, ivre de soleil. Simplement la moirure de nous, ivre de sommeil. Simplement. Simplement. Bruno Bellon a tellement de cordes à son arc que son arc devient une harpe. Alors maintenant, c'est Sarah qui repasse le chien à Bruno. Et donc Sarah va venir sur scène. Dans un jardin pour chaque enfant tombé à la guerre, planter un arbre dans un jardin pour combattre toutes les misères, planter un arbre dans un jardin pour donner un peu d'oxygène à mon cœur étouffé par la gêne de l'image que me donnent les humains, planter un arbre dans un jardin et le regarder grandir, planter un arbre dans un jardin pour prendre l'envergure de la beauté que la nature nous donne à chaque instant. Planter un arbre dans un jardin, tendre ses bras vers demain. Planter un arbre dans ton jardin pour le jour de notre rencontre, le voir prendre racine, se nourrir des petits bonheurs de notre quotidien sous ses branches, abriter nos fous rires chaque printemps,
ne pas se voir vieillir. Planter un arbre dans ton jardin, c'est ma façon de faire à la cour. Planter un arbre pour notre amour et le regarder grandir. Merci. La semaine prochaine, il sera arrosé. Ben justement, le thème des ricochets jeudi dernier au café de la mairie, place Saint-Sulpice, métro Saint-Sulpice, rue Saint-Sulpice, à côté d'église Saint-Sulpice. Suis-je précise ? Eh bien, c'était justement le thème, c'était la pluie. Et alors, on était complètement dans le sujet. On a traversé un déluge pour arriver jusqu'au bistrot. C'était assez. On était complètement dans l'ambiance. Ah ouais. Et il y a un spectacle auquel j'ai la joie, l'honneur, l'avantage, l'émotion de participer une fois par mois et dont je vous parle souvent. C'est les séances du dictionnaire de l'Académie Alphonse Allais. L'Académie Alphonse Allais a été fondée par une bande de déjantés dans l'esprit du maître et dans l'esprit de Pierre Dac, Francis Blanche et Raymond Queneau, enfin tous nos grands. Et ils se sont dit, mais un dictionnaire est absolument indispensable à une académie digne de ce nom. Il faut des séances de dictionnaire. Donc très logiquement, ils sont pointés quiconti. Ils ont sonné à la porte de l'Académie française en disant, ben voilà, vous vous réunissez le jeudi, nous, on se décale, donc on ne vous dérange pas, mais on voudrait faire des séances de dictionnaire chez vous. Et dois-je préciser, évidemment, qu'ils ont été jetés avec une vigueur qui n'a d'égal que leur indifférence. Et ils ont commencé à chercher où atterrir au Quai Conti. Et comme le Seigneur est sympa avec les humoristes, l'abri qui leur a été offert est bien Quai Conti, donc il y a le label, il n'y a pas de problème, chez un cuisiniste, un vendeur de cuisine équipée. Alors, vous imaginez la séance des académiciens d'Alphonse Allais, n'est-ce pas ? Assis qui sur un évier, qui sur une paillasse, qui devant un frigo, qui regardant un micro-ondes dans les yeux pour savoir lequel des deux allait fondre. Enfin, c'est assez magnifique. Et donc, la première séance du dictionnaire a bien été fondée, Quai Conti. Depuis, elle se continue au Petit Héberto, le premier dimanche de chaque mois, c'est-à-dire dimanche prochain, 6 juin. C'est à 11h30, oui, je sais, pour moi, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. C'est 11h30, je termine mon petit-déj avant de me coucher, quoi. C'est pas vrai. Je me couche à 6h du matin, donc c'est... Je me fais tout de suite, on exagère. Non. Seulement 6h du matin, ce qui fait que pour être au théâtre à 11h, il me faut quand même une certaine volonté. Mais dans un autre sens. On se régale tellement que ça vaut le coup. Alors moi, je suis posé à court avec mon chevalet. Pour ceux qui se souviennent, c'est le même chevalet que le studio Raspail. Et donc, je dessine au fur et à mesure, suivant mon inspiration, suivant mes coups de cœur, je dessine les élaborations de ces messieurs. Et nous avons un grand honneur ce soir à l'échelle à coulisses, c'est que nous avons un membre de cette auguste assemblée, donc qui élabore le dictionnaire avec l'Académie Alphonse Allais, M. Jean-Pierre Delaune. Bonsoir, vous m'entendez? Non, je vais peut-être le prendre à la main. Marielle a tout dit, merci Marielle. Je ne suis pas certain qu'elle ait précisé que ses dessins sont toujours unanimement appréciés. Et je vais donc vous proposer une lecture de quelques définitions qui ont déjà été données, donc. Je vais le faire par ordre alphabétique. Alors nous avons par exemple, parce que nous avons et des noms propres et des noms communs, bien sûr, comme tout dictionnaire qui se respecte. Nous avons Adam, premier homme selon la Bible,
Il eut 3 fils. Bizarrement, le troisième fut appelé Seth. Je ne vais pas jouer les jeunes hommes, je vais mettre mes lunettes. Voilà, ça sera plus pratique. Alors, bien sûr, nous avons aussi Adam de la Halle. C'est le même que le précédent, après avoir été chassé du paradis terrestre et s'être réfugié à Rungis. Dans les noms communs, ailleurs, endroit qui est souvent beaucoup plus près qu'on ne croit. Antiquité. Est-ce que certains d'entre vous connaissent peut-être Philippe Persson, qui faisait des chroniques, qui fait toujours des chroniques au studio Raspail et des chroniques théâtrales, non? Sa musique d'entrée, c'était les Tontons Flingueurs, ça ne vous dit rien? Bon, alors Philippe Persson nous a proposé une jolie définition de antiquité. Période de l'humanité. Pendant l'Antiquité, il y avait des magasins de préhistoire. Apôtre. Compagnon de route biblique. Les apôtres qui manifestaient en faveur de Jésus étaient 12 selon les syndicats et 6 selon la police. Escabeau. Comédien ringard qui a obtenu sa licence. Bien sûr, il n'y en a pas à l'échelle de la police. Flûte traversière. Instrument de musique qui a la priorité quand il vient de droite. Nom propre. Hatshepsut. À vos souhaits. Ah, voilà encore. Albardier. Élément décoratif de théâtre, généralement placé au lointain. Le second albardier est souvent proche du troisième couteau. On ne quitte pas le théâtre. Poquelin, Jean-Baptiste. 1622-1673, obscur tapissier, dont l'œuvre, vraisemblablement médiocre, n'a jamais franchi les portes de la manufacture des Gobelins. Citation. Au lieu de faire le pitre avec tes copains béjards, tu ferais mieux de travailler. Ce n'est pas ainsi que tu réussiras dans la vie, mon garçon. Poquelin père. Réveil matin, instrument de torture par lequel le bourreau contraint le prolétaire à se lever pour aller bosser. À noter que scandaleusement, le travailleur de nuit est obligé d'utiliser ce même réveil matin en l'absence de réveil soir. Alors, je vous en propose encore 3-4 si vous voulez bien. Saint-Jacques de Compostelle, coquillage anobli pour avoir validé son billet de train. Scipion l'Africain, général romain connu pour ses nombreuses défaites aux jeux de dames. Il faut dire qu'avec un nom pareil. Scolastique, autre nom du scaloutchou. On va terminer par un autre continent. Afrique, continent noir très pauvre malgré son nom. Celle-ci de Claude Turier, qui fait partie de notre équipe et qui est l'ancien rédacteur en chef de l'Almanach Vermeau. Vous voyez, il lui reste quelque chose. Et il nous a proposé aussi Zimbabwe, pays d'Afrique connu pour ses fanfares. Merci. Je vais sortir à Ousénou. À Ousé... Mais à Ousénou. Pour avoir la suite des... Ah ou, allez, ouh. Ça marche pas. Non, faut vraiment le vrai micro. Pour avoir la suite des définitions, eh ben c'est donc dimanche dans 8 jours, le 6 juin à 11h30 au Petit Héberto. L'entrée est gratuite, mais il n'y a que 120 places, donc n'hésitez pas à venir à 11h25, voire 11h20 si vous êtes sûr, vous voulez être sûr de ne pas passer la matinée debout. Et également aussi, la maison de reculant devant aucun sacrifice, l'Académie Alphonse Allais fabrique un opuscule avec les définitions et les dessins de la séance précédente. Alors évidemment, c'est collector, parce que c'est pas tiré à beaucoup d'exemplaires, et puis plus tard, ça sera remplacé par l'édition reliée lorsque nous aurons travaillé pendant un certain temps. Donc c'est en même temps une chouette façon de se marrer, et en même temps, un investissement pour l'avenir. Celui qui
question d'avenir, celui qui, justement, il a certainement un bel avenir, et pour l'instant, il a un présent un peu surchargé, dans la mesure où c'est quand même un des rares fonctionnaires que je connaisse qui travaille 13 heures en une seule journée. En une seule journée, je précise, hein, parce que 13 heures, ça, ils peuvent tous le faire sur le mois. Mais lui, c'est en une seule journée. Et c'était vendredi. Là, il vient tout juste d'enlever son gilet rayé de la pièce de Feydeau qu'il joue au 50 rue Saint-Georges. Et donc, il nous arrive avec ses personnalités multiples, avec ses talents multiples, avec toujours cette surprise qu'il nous réserve. C'est Michel Kupiec. Quand je le vois arriver avec un accessoire que je ne suis pas prévenu. Oui, c'est pas très habituel. Hein. T'as raison de te méfier. Oui, j'ai les boules. Ah, c'est pas vrai. Ah, il est merveilleux. Il est merveilleux. Comme je disais tout à l'heure, donc. Moi qui me suis levé à 16h30 du matin, tant vous dire que le dimanche, c'est coton. Bien, eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Celui qui va nous rejoindre maintenant sur le barreau suivant de cette courte échelle, il a plusieurs casquettes comme moi. C'est notre dompteur de micro, Wi-Fi stéréo écolo, Olivier Rec. Soir Marielle. Donc, une petite chanson sur la nature, sur la plante des pieds, parce qu'on n'en parle pas souvent. Alors, c'est tout nouveau, j'espère que ça va fonctionner. Apparemment, il ne passe pas. Ceux qui ne comprennent pas, ils vont comprendre tout à l'heure. C'est pas grave, je vais le faire a cappella. À chapelle, comme on dit en Bretagne chez nous. Chanson sur l'environnement, donc. Un arbre m'a parlé. Un arbre m'a parlé. Je me souviens, c'était en Bretagne. J'étais encore bourré, un arbre m'a parlé. Et dans le bois de Boulogne, le seul qui se tape un arbre. Et dans le bois de Boulogne, le seul qui se tape un arbre, c'est Gilbert Montagnier. Un arbre m'a parlé. Merci. Pour dire que lundi, donc, nous allons remettre les prix écologie environnement. Donc, j'espère qu'on aura peut-être la visite, on ne sait jamais, de notre ministre. On peut toujours rêver. Attendez, c'est vachement important l'environnement. Vous ne pouvez pas savoir. Moi, j'ai fait votre acte tout à l'heure, bah, je vais venir. Alors, dites-toi, il n'y a pas toutes les informations. Est-ce qu'il y a un vin d'honneur? Enfin, je veux dire, c'est vachement important. C'est comme l'entraptissé, c'est pour échanger les idées. Vous comprenez, c'est comme ça qu'on arrive à trouver. D'ailleurs, moi, je vais venir à votre truc. Je vais pouvoir vous piquer des idées pour mon Grenelle de l'environnement. Moi, je vais toujours... je crois que c'est vachement important. Moi, j'ai toujours voulu me rapprocher des vers, vous savez. C'est normal. La nature, c'est ce qu'il y a de plus important. S'il n'y avait pas la nature... S'il n'y avait pas la pluie, comment je ferais pour prendre une douche? Hein? Non, c'est vachement important. Quelqu'un qui fait beaucoup pour l'environnement, c'est quand même le maire de Paris. Alors là, ça fait plaisir. Enfin, un compliment, ça me touche. Et quand ça me touche, ça me fait plaisir. Paris-Plage, c'est quand même une bonne idée.
Et cette année, on a eu du sable tout neuf d'occasion qu'on a récupéré sur le chantier du périphérique. Il n'y aura quand même pas à me reprocher de faire des économies. Moi, je fais attention. Je suis un maire célibataire. Alors, je fais ma petite cuisine. Et pour les transports, je recycle. C'est vrai, c'est pas cher le Bélib. En plus, on vient de retirer toutes les selles dans le quartier du Marais. Mais depuis, tout le monde est content, tout le monde sourit. Ma priorité, c'est l'environnement pour toutes les Parisiennes et toutes les Parisiennes. Attendez, c'est pas fini, j'ai plus d'un tour dans mon sac à main. Quand vous allez voir mon nouveau programme, vous allez tous devenir verts. Nine! Une fois de plus, les Français se font berner par un Grenelle prise unique. Et pour ma part, je trouve ça assez déplorable, n'est-ce pas? Eh oui, mais les vrais Français ne sont pas dupes. Les électeurs savent que je suis le seul véritable candidat écologique. 100% pur porc, n'est-ce pas? Eh oui, cela fait des années que je milite pour le tri sélectif. Pour la voiture et la chaise électrique. Sans compter que je lutte contre la marée noire, n'est-ce pas? Aussi, je garde bon pied, bon œil surtout, et je n'ai que faire des attaques qui visent à me déstabiliser, une campagne de diabolisation, et qui ne sont pour moi que des détails, n'est-ce pas? Aussi, j'ai confiance dans les Français qui savent où est le problème. Alors, moi, je vous dis, le problème, c'est l'Europe. Et ça fait un moment que ça dure. Déjà depuis le traité de Maastricht, la situation est tendue. Mais aujourd'hui, j'ai peur. Parce que les Grecs sont derrière tout le monde. Et si les Espagnols tombent, je suis pas sûr qu'ils arrivent à se relever. C'est pour ça de faire quelque chose, faut pas rester les bras ballants. C'est pourquoi je vous annonce, en exclusivité, ma candidature pour 2012. Je suis candidat au trône. Et j'ai déjà trouvé mon nom. Philippe Quatre Labrel. On va faire un immense puits du fou. Version nationale. D'ailleurs, j'ai cherché Olivier Reich de ce projet dans toute la Bretagne. C'est pourquoi je dis vive la nature, vive le roi et vive la France. Bonsoir. Excusez-moi, je tardais quelque peu pour placer les nouveaux arrivants. Eh bien, on remercie Michel Kupiec de cette magnifique parodie avec deux, trois private jokes. Il est certain que pour ceux qui viennent pour la première fois à l'échelle à coulisses, qui n'ont pas vu Olivier Reich, ils ne savent pas. Mais vous verrez l'original après la copie, n'est-ce pas? Ce qui nous change un peu. Enfin, c'est... Maintenant, j'ose plus rien dire. C'est horrible. Je m'apprêtais à dire... ça, Cupier que l'a fait tout à l'heure. Dans un sens, c'est drôle. Mais dans un autre sens, son observation est tellement exacte que après, on est un peu paralysé. D'abord, on se demande, est-ce qu'on est soi-même ou est-ce qu'on imite Kupiec? Voilà. Il faut voir quand même que la pomme, le manger des pommes de Chirac, bon, a été inventé par les guignols de l'info, que c'est le RPR de Chirac qui a récupéré le slogan et qui distribuait des pommes à l'entrée de ses meetings, bon, et que la pomme est restée le symbole de Chirac, mais à l'origine, c'était le guignol.
En quelque sorte, son DIRCOM lui a fait imiter sa marionnette. Et ben, c'est quand même assez... c'est assez fabuleux. C'est un peu comme si... Borloo buvait du vin parce qu'on le montre ivre-mort au guignol. Alors que d'habitude, non, il est parfaitement carabiné. Mais même quand il n'a pas bu, on a toujours l'impression qu'il est chlasse. Je crois que ça vient simplement de ce qu'il a un discours incohérent. C'est pas de sa faute, ce pauvre garçon. C'est gentil au demeurant, hein. Il faut voir quand même que si vous vous souvenez de l'affaire Olympique de Marseille contre le football de Valenciennes, d'un côté Marseille, il y avait Bernard Tapie, et le maire de Valenciennes, c'était Borloo. Le même. Oui. Ah, oui, le même. C'est pas une homonymie. C'est vraiment le vrai. Donc déjà, il savait déjà nous faire rire. Le comédien qui va venir maintenant sur scène, il sait aussi bien nous faire rire que nous faire pleurer. Je ne sais pas quel est le registre qu'il a choisi, puisque bien souvent je ne suis pas dans le secret des dieux, parce que j'aime bien aussi, moi aussi, avoir la surprise. Il n'y a pas de raison que je sois défavorisé par rapport à vous. Mais je sais que ce sera avec un égal bonheur. Il a enchanté l'échelle à coulisses avec son pari de monter toutes les pièces de Sing, et c'est un pari que jusqu'à présent il gagne magnifiquement. Donc voici le fondateur de la compagnie, Yves Alain. Yves Alain. Prends-le. Le caméscopeur préfère que tu le prennes parce que la prise de son est meilleure pour le DVD. Oui, c'est ce que je pense. Oui, j'aime pas beaucoup travailler avec un micro, mais enfin, je pense que c'est meilleur pour, oui, c'est meilleur. Ça, c'est meilleur pour le DVD. Oui, alors tu te rapproches du DVD, du micro. Peut-être pas être trop près parce que... Si, très bien. Mais rapproche-toi. C'est bon, là, très bien. Distance. Hein. Ah, c'est mieux pour près. Bon, alors, moi, je poursuis mon petit travail de recherche sur le poète lituanien et français. 1931, Miloš. Donc, moi, j'ai entrepris l'étude de toute son œuvre poétique. Et ce soir, je vais tenter pour la deuxième fois, je vous prends le bonheur de le faire la semaine dernière dans une réunion privée. Et donc, ce sera ce soir la deuxième fois de vous dire les terrains vagues. Comment m'es-tu venu, ô toi, si humble, si chagrin, je ne sais plus. Sans doute, comme la pensée de la mort, avec la vie même. Mais de ma Lituanie cendreuse, aux gorges d'enfer du Rumel, de Bow Street au Marais, et de l'enfance à la vieillesse, j'aime, comme j'aime les hommes, d'un vieil amour usé par la pitié, la colère et la solitude. Ces terrains oubliés, où pousse ici trop vite, et là trop lentement, comme les enfants blancs dans les rues sans soleil, une herbe de ville, froide et sale, sans sommeil, comme l'idée fixe, venue avec le vent du cimetière, peut-être dans un de ces ballots d'étoffe noire, lisse et lustrée, oreiller des vieilles dormeuses des quais dans les terribles crépuscules. De toute ma jeunesse,
consumé dans le sud et dans le nord, j'ai retenu surtout ceci. Mon âme est malade, passante, comme l'herbe altérée des murs. Et on l'a oubliée, et on la laisse ici. J'en sais un qu'obscurcit un vieux cèdre du Liban, vestige de quelque beau jardin de l'amour virginal. Et je sais, moi, que le saint arbre fut planté là, jadis, en son doux temps, pour porter témoignage. Et le serment est tombé dans la muette éternité. Et l'homme et la femme sans nom sont morts, et leur amour est mort. Et qui donc se souvient? Qui? Toi, peut-être? Triste, triste bruit de la pluie sur la pluie. Ou vous, mon âme? Mais bientôt vous oublierez cela et le reste. Et l'autre, où le grand vent, la pluie et le brouillard ont leur église. Quand venait l'hiver des faubourgs, quand le chaland voyageait dans la brume de France, qu'il m'était doux, Saint-Julien le pauvre, de faire le tour de ton jardin. Je vivais dans la dissolution la plus amère. Mais le cœur de la terre m'attirait déjà, et je savais qu'il bat non sous la roseraie choyée, mais là où croît ma sœur, l'ortie obscure et délaissée. Ainsi, si tu veux me plaire, plus tard, loin d'ici, toi, ruisselant, murmurant de fleurs ressuscitées, toi, jardin, où toute solitude aura un visage et un nom et sera une épouse, choisis un coin obscur du mur où les lézardes montrent la ville Ariel dans les blanches vapeurs. Pour mon amour amer, un coin obscur, ami du vent et de la moisissure et de la solitude. Et quand la Vierge au sein de Thummim et d'Urim me prendra par la main pour me conduire là, que les tristes terrestres se ressouviennent, me reconnaissent et me saluent, le chardon et la haute ortie, et l'ennemi d'enfance, Ben-Adon. Eux, ils savent. Ils savent. Formidable définition de l'intuition. Où suis-je? C'est une bonne question. Définition de l'intuition. Ah oui, d'accord. Oui. Le type qui sort de scène et qui demande où suis-je, ouais. C'est quand même un peu inquiétant. Ouais. Alors c'est vrai qu'on va vous parler de Bernard Dimet, on va vous faire entendre des textes de Bernard Dimet tout à l'heure. Bernard, moi je le connaissais, c'était un de mes amis. Il est mieux être un de ses amis que sa femme, hein. Parce qu'au moins il se marrait avec nous, et quand il rentrait bourré, c'était pas chez nous. C'était chez elle. Oui, d'ailleurs, il faut bien dire quand même qu'elle l'a viré plusieurs fois. Hein. Aujourd'hui, veuve et pleurée, mais enfin,
Hier, c'était... full camp. Oui, ça, c'est... Ça, c'est le privilège des copains. C'est les copains, ils ont tous le bon côté du copain. C'est l'épouse qui éponge le reste. La pauvre. Et donc, j'ai imaginé, 1er janvier 98, j'ai imaginé Bernard dans une fête de Nouvel An, comme on venait d'en vivre une à Montmartre, alors avec des confettis, des serpentins, enfin, toute la lyre. Et ça aurait donné ceci. Dehors, je chancelle accroché à l'aube titubante, étoile confetti posée dans mes cheveux. Je suis un ciel nouveau, constellation errante en or. Plaqué au mur, j'envoie tout plein de meilleurs voeux, une espèce de cri de parole éructante, chargée de mauvais vin et de regrets mousseux. Le passé faisait peur, l'avenir épouvante, prédateur. Et je me jette au lit, tout tourne autour de moi. Il y a une rue Bernard Dimet dans le 18e. C'est là aussi où il y a la perception. Je ne sais pas s'il aurait apprécié. Et donc on a inauguré cette rue. Et le seul élu de la capitale qui était là, c'était moi. Et donc voici mon discours d'inauguration de la rue Bernard Dimet le samedi 30 mars 2001. Voilà bientôt 30 ans que je me bernardise avec tout ce qu'on glane au rebord du bistrot. On se saoule de vin et de l'alcool de mots servi dans tes chansons, à la musique esquise. Les nuits que j'ai passées accrochées au comptoir, hirondelles perchées sur le fil d'un Bordeaux, à rebâtir le siècle et lancer des bateaux vers Saïgon perdu ou vers Alger le soir. Ces nuits sans avenir, débordées de projets, nos cartons à dessin renfermaient des merveilles. Ce visage à fond bleu, au sourire d'abeille, c'est le soleil saisi, c'est le trait pur trouvé. Et nos poches bourrées de carnets ou de feuilles, les mots enfin parfaits dans la page froissée. Voilà un prix concours. Et voilà le sonnet. Voilà une chanson que la voix cassée cueille. De Bordeaux en Bordeaux, les ballons nous soulèvent. On plane par-dessus la fringale et le froid. On est mieux que fauché. On a le monde à soi. Le rien n'est plus réel que ce flou que l'on rêve. On te lisait, Bernard. On fredonnait Ferré et puis Brel, Aragon. Et puis d'abord nous-mêmes, on vidait un à un tous les vers du poème. On était ivre-vifs de pinard et d'idées. Quand on sortait dehors, sur le pavé de pluie, certains soirs, on voyait passer la station Mir. On leur faisait coucou. Et... ça va? Vous partir? On ne parlait pas russe et ils n'ont rien compris. Et l'aube nous jetait sur un banc de colère. Je n'aurais jamais dû avancer en B3. Le métro est fermé. Tiens, c'est drôle. J'ai froid. Je suis sûr que le Rhin, c'est dans Apollinaire. Voilà bientôt 30 ans que je me bernardise. Maintenant tu es mort. Tu as un nom de rue. Est-ce bien le Bernard Timet que j'ai connu dans son col roulé gris, dans la poésie grise? Voilà 35 ans que le temps des cerises accompagne ma rage et mon cri de tombeau. Mais au moins grâce à toi, sous le pont Mirabeau, je sais que désormais il coule la Tamise.
Ça fait un peu de nostalgie tout ça. Alors nous avons une séquence nostalgie. Et la séquence nostalgie, c'est quelqu'un qui nous retrouve des chansons que nous avons tous aimées et que les radios ne nous passent plus. Et heureusement que nous avons gardé nos vinyles. Nous avons gardé nos 78 tours. Nous avons gardé nos rouleaux. Non, quand même pas les rouleaux. Quand même pas les rouleaux. Joe Dassin, c'est pas... Non, quand même pas. Mais c'est pas loin. Donc, on se les repasse. C'est mieux que cela, évidemment. Ces chansons reprennent vie sur scène. Et c'est la grande joie que nous fait Jean-Claude Scalone. Bien, je vais vous interpréter une chanson de Claude Michel Schoenberg, Le Premier Pas. Il est actuellement très en vue parce qu'il s'est occupé de relancer Les Misérables. Il a écrit, mais il les a relancés. Oui, ils se vont jouer au Châtelet, et c'est lui l'auteur de la musique, le compositeur en quelque sorte. Ah, ça passe pas. Ah oui, ça c'est ce que je t'occupais avec ça. Sinon, on l'a déjà fait. Tu fais du cupier, toi. Et puis, je sais pas raconter l'histoire en plus. Le premier pas a rendu le dernier soupir. Exactement. Elles font saler dans la salle. Je vais essayer de passer sur un autre parce que apparemment. Non, ça passe pas. Mais il va passer dans un autre théâtre, t'inquiète. Et on fera un duplex comme pour l'Eurovision. Peut-être Michel Cupia qui a peut-être une petite histoire à nous raconter maintenant. Michel, si tu veux aider ton copain. Viens ici, à mon secours. Le premier pas. J'aimerais qu'il fasse le premier pas. Viens, oui. Oh, on est bien. Allez, ça va, vas-y, on y va, on continue. Comment ? Le premier pas. J'aimerais qu'il fasse le premier pas. Oui, monsieur. D'accord. D'accord. Je pense qu'il est d'accord pour faire le premier pas avec Sarah. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, tu la chantes la semaine prochaine ? Non, c'est bon, on va trouver la semaine prochaine. C'est un CD pourtant. Attends, il est en train de faire un branchement. Un branchement. Il fait une greffe de CD. Un hybride. Le CD des CD. 78 tours, c'était un petit peu exagéré. Mais hybride abattu, oui, comme dit. 33 tours plutôt. Hein. 33 tours. Oui, plutôt. T'es pas si vieux que ça. Non, t'es pas si vieux que ça. T'aurais pu faire la tournée achetant de rigole de bois. Ouais. Ils sont pleins, il y a qui dans la tournée ? Il y a Richard Antonio. Antononi ? Hein ? Non, Antonio. Vous verrez ce qu'il ferait maintenant. Il casse la barrique. Ouais ! Enfin, maintenant, il entend siffler, plus rien. Bon, on va essayer. C'est bon ? Allez, on essaye. Merci. On peut l'applaudir. Hein. Merci. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais que cela ne se fait pas. Pourtant, j'aimerais que ce soit elle qui vienne à moi. Car voyez-vous, je n'ose pas rechercher la manière de la voir, de lui plaire, l'approcher, lui parler et ne pas la brusquer. Lui dit des mots d'amour
sans savoir en retour si elle m'aimera ou refusera. C'est le premier. Le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. On peut s'attendre longtemps comme ça. On peut rester des années à se contempler et vivre chacun de son côté. Je la rencontrerai au bas de l'escalier. Puis, comme tous les jours, elle me dira bonjour. Seulement, cette fois, elle me prendra le bras. Me conduira dans sa maison où nous ferons le premier pas d'amour. Dans son lit, jour après jour, elle me dévoilera son corps, me donnera tous les remords de n'avoir pas dit plutôt le premier mot. Le premier mot. J'aimerais qu'elle dise le premier mot. La nuit j'en rêve et c'est idiot. Si elle voulait seulement me faire signe tout bas, alors je ferai, je le crois, le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais, cela ne se fait pas. Donc maintenant vous allez avoir l'original. Précisons que c'est notre ingénieur du son. Il est dompteur de pied de micro parce que je ne sais pas si vous avez remarqué toutes les manettes règlements joints et trucs qui coincent et qui se décoincent et qui se tortillent là-dessus. C'est bac plus 3 hein, pour faire un pied de micro. Hein. Il est dompteur de fil de micro d'ailleurs. Personne ne s'est pris les pieds dedans. Ce qui prouve bien.
Il est dompteur aussi du magma de Phil qui est par là. Non, mais pour moi, tout ça, ce sont des films noirs. Mais en fait, lui, il sait exactement qui est qui. Mais si, c'est à tel point, il les appelle par le prénom. Si, il y en a un qui l'a appelé Jack. C'est vous dire à quel point il est familier. Il est auteur, compositeur, interprète et arrangeur. Le vendredi 4 à 17h30, c'est au Mairie, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, au Mairie, c'est le théâtre Le Mairie. Ne cherchez pas quelle mairie. Oui, je sais, moi non plus. Mais c'est le théâtre Le Mairie, place de Clichy, à 17h30. Donc, il est le spectacle d'une remise de prix écologique. Également aussi, il est le fleuron du spectacle de la tour Jean Sans Peur qui était hier, si mes souvenirs sont bons. Oui. Voilà. Donc, spectacle annuel qui se tient à la tour Jean Sans Peur. Et c'était splendide. Donc, en un mot commençant, c'est Olivier Rec. Je signale aussi que pour ceux qui ont mon CD, Olivier interprète les chansons qu'il a mises en musique. Merci, merci. Merci, Marielle. Merci, Marielle. Voilà, je vais déroger un petit peu à la règle. Je ne vais pas faire une de mes chansons, je vais faire une chanson de mon ami à la barrière, parce que j'aime bien lui rendre hommage de temps en temps. On est bretons tous les deux, puis on habite le même coin. Et là, c'est la première fois que j'ai fait en public, c'est une chanson dont j'ai refait l'arrangement, et j'espère que ça va bien se passer. Pour ceux qui la connaissent, une petite plage. Ah oui, tu tombes bien, Michel, j'avais pris le petit MP3. Une petite plage bleue, pleine de mer et de soleil. Une petite plage bleue, et des enfants qui s'émerveillent. Une petite plage heureuse, vivante et gaie sous le soleil. Une petite plage heureuse, aux heures de paradis partiel, où la mer doucement s'étire, juste avant de se retirer. Quand le commande la marée, ses voiles blanches et cette brouette s'accrochant sur le bas du ciel. C'est qui d'enfant et cette fête, se balade l'autre pareil. Cette paix bruyante et profonde, des rires et des jeux de l'été. Une petite plage d'or, de sable fin sous le soleil. Une petite plage encore, et des amants qui s'émerveillent. Et cette plage qui se vide à l'heure de midi sonnée. Et ces deux amants qui s'attardent, comme sans doute pour fixer, dans le silence qui s'installe autour de leur félicité, comme un moment d'éternité. Comme s'il ne faisait que naître au grand amour fatalité. Si le temps avait cessé d'être, toutes pendules arrêtées. Et comme écrasé par l'ivresse d'un Eldorado révélé. Une petite plage nue, sous le ciel bas d'un long hiver. Une petite plage nue, pleine de souvenirs d'hier. Elle attend patiente et sereine que revienne un autre été. Elle attend patiente et sereine d'autres amants émerveillés. Peu lui importe ce qu'advienne ces amours qu'elle a bercés et qui n'ont duré qu'un été. Et puis dit-on que le temps passe à la vague sur le rocher. Et puis dit-on que tout s'efface au sable qui nous vit passer. Étale-t-on ses déchirures devant la nature apaisée. Une petite plage rêve sous le ciel pur d'un soir d'été. Une petite plage rêve pleine d'étoiles et de clarté.
Et cette fille qui m'attendait, cachée blottie dans les rochers, qui sitôt que j'apparaissais, s'est lancée vite pour danser. Et mon corps s'arrêtait de battre dans l'éblouissante clarté de ces minutes d'éternité. Et la mer brûlait sous la lune de 100 000 feux allumés. Les étoiles au ciel superbe faisaient une fête beauté. Son corps tournoyait sous la lune au bord de l'irréalité. Cette fille, c'était toi. Cette fille, c'était toi. Parce que je suis contente. Cupier qui l'a fait tout à l'heure. C'est quelque chose que je fais souvent. Je dis qu'il y a une fois où je fais ah, parce que je suis contente, voilà, et puis ce pomme à l'eau, il me. Voilà. En fait, il est fondamentalement différent de celui de Patrick Sevran. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous ne sommes pas du tout dans la même vibration. Nous ne fréquentions pas non plus le même monde. Heureusement pour moi. Je fréquente le monde des poètes. Ce soir, nous avons, peut-être parce que l'aura de Claude Mercutio a rejailli sur la première partie, mais nous avons vraiment voyagé en poésie. Souvenez-vous, nous avons commencé avec Les Feuilles Mortes, par Annick Gobert. Résister à la tentation. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. C'est ce que disait Oscar Wilde, mais Christelle était d'un autre avis. Bruno Bellon a lui aussi préféré le poème à la chanson. Et Sarah nous a expliqué tout le symbolisme de planter un arbre. L'Académie Alphonse Allais nous avait envoyé un ambassadeur, et non des moindres, puisque c'était Jean-Pierre Delaune. Tel qu'en lui-même et tel qu'en eux-mêmes, parce qu'il était vraiment protéiforme ce soir, c'est notre schizophrène préféré, Michel Kupiec. Miloche est quelqu'un que j'aime beaucoup. Évidemment, il est plus connu par la chanson qu'on a fait sur lui. Allez, venez, Miloche. Vous asseoir dans mes bras. C'est bien. Mais c'est grâce à Yves Alain que nous pouvons apprécier sa poésie. Le premier CD a fait le premier pas, à force, par la volonté de Jean-Claude Scalone. Et entre Bretons, on se soutient, c'est toujours ça, les minorités opprimées. Olivier Rec a interprété Alain Barrière. Vous allez avoir maintenant quelques minutes d'entracte jusqu'à 22h. Oui, madame, il n'est pas encore 22h. Parce que l'entracte commence avant 22h pour qu'il se termine à 22h. Ça, c'est calculé, c'est pensé, on ne peut pas savoir. Mon Dieu, ce que c'est pensé quand même, au bout de 12 ans d'expérience. L'entracte va s'ouvrir. Pendant cet entracte, vous pourrez prendre des boissons chaudes, des boissons tièdes, des boissons froides. Également aussi, Jean-Claude et Nicole nous ont apporté des petits gâteaux. Ah. Ça, c'est, oui, c'est, non, non. Le diabétique ne touche pas au gâteau, mon cher. C'est bon. Ils sont là. Vous pourrez également prendre
la documentation qui instruit sur les programmes des autres personnes, notamment Bruno Bellon, Olivier Rec, Jean-Paul Faré. Jean-Paul Faré, Molière 2010 au Petit Héberton. Je vous remercie de ces applaudissements objectifs et impartiaux. C'est vrai que c'est un spectacle extraordinaire. Il ne faut surtout pas le raconter au Fürstein. On dirait que Fürstein, il risque moins parce que c'est un piano droit. Tandis que Jean-Paul Faré le fait sur un piano gauche. Et à ce moment-là, le délire est total. Donc, ces petits papiers, ben, du temps où je les écrivais, c'était des tracts. Quand je les distribuais, c'était des prospectus. Quand on les imprime, ce sont des flyers. Et chez Jean-François Blavin et Nicole Durand, ce sont des supports de communication. Enfin bref, c'est des machins où on dit ce que font les gens. Et après tout, n'est-ce pas l'essentiel? N'hésitez pas à parler entre vous, à vous échanger vos meilleures applis de iPhone. Et nous reprenons à 22h, n'est-ce pas, pour rentrer dans l'univers de Claude Mercutio.